On a dit qu'il nous fallait des protéines. Du cabillaud. Alors, j'ai pas ramené du cabillaud, mais j'ai ramené du saumon. Ouais. D'accord ? Ouais. Pâte au saumon, ça va ? Ah, ils sont soulagés ! Je vous propose qu'on cuisine ensemble, vous donner des idées de recettes simples et équilibrées à base de poisson et que vous allez pouvoir transmettre à vos enfants, petits-enfants, voisins, voisines, etc. pour que plus tard, eux aussi le transmettent aux autres. Le panier de la mer, au-delà des ateliers cuisine, c'est également la lutte contre le gaspillage alimentaire au quotidien pour nos territoires du Boulonnais. On a reçu des filets de bar, ouais. Magnifiques, d'accord. En intersuisse, carton de 2 kg. On rachète des surplus de poissons, que ça soit aussi bien à la criée, mais de plus en plus des dons agroalimentaires d'acteurs locaux, d'industriels locaux qui nous soutiennent. Ces produits en fait, sont transformés par le biais d'un chantier d'insertion pour être ensuite distribués dans la France entière à l'aide alimentaire, donc Croix-Rouge, Secours Populaire, Resto du Cœur. Alors, le fromage, on y va. Pas mal. On s'est rendu compte qu'on distribue du poisson, mais que dans certaines épiceries sociales, le poisson n'était pas consommé correctement parce que les gens ont perdu tout simplement le savoir-faire ou l'habitude ou l'envie de faire des plats à base de poisson. Donc l'idée, c'est qu'on organise 300 ateliers cuisine par an qui consistent à se porter directement au contact du public pour faire plutôt de l'éducation populaire, pour leur montrer qu'on peut faire des repas savoureux avec une cuisine équilibrée, avec des chutes, avec des morceaux qui ne sont pas forcément rectangulaires. Le poisson contient moins de matière grasse et quand il contient de la matière grasse, il contient une meilleure matière grasse que la viande. Donc la viande rouge, en vrai, il faut en manger, mais beaucoup moins que ce qu'on mange aujourd'hui. Donc forcément, bon bah, la présentation, c'est pas une présentation de restaurant, on fait une cuisine comme on fait à la maison, d'accord ?